On peut dire que le ton est donné pour la session parlementaire à Ottawa et on a droit à un Pierre Poilievre plus virulent que jamais, alors qu'il multiplie les attaques contre Justin Trudeau et le Bloc. À la traîne hein, dans les sondages, le premier ministre aura fort à faire s'il veut remonter la pente. Olivier Ferrand-Boissé. Parce qu'on aura plusieurs dossiers chauds sur la planche. Les élus fédéraux sont de retour à la Chambre des communes. Nouvelle session, mêmes enjeux. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a discuté il y a un mois parce que ça n'a pas changé sur le terrain. Le coût de la vie, la crise du logement sont à nouveau au cœur des débats parlementaires. Bon retour au Canada. Le chef conservateur continue de critiquer la stratégie du fédéral pour tenter d'accélérer la construction de logements. Va-t-il finalement renverser ces politiques qui bâtissent la bureaucratie et cause l'inflation? Les libéraux de Justin Trudeau tentent quant à eux de démontrer une absence de proposition de la part de l'opposition officielle. Le chef conservateur lance des insultes personnelles pour dévier le débat sur le logement, pour éviter le fait que les gens reconnaissent qu'il n'a aucun plan. Mais les conservateurs persistent et continuent de dénoncer l'octroi de financement aux villes comme Montréal et Québec, qui affichent une baisse des mises en chantier. L'administration Plante a bloqué la construction de 25 000 maisons et appartements, et ce premier ministre récompense cette incompétence en continuant de lui envoyer des chèques. Des propos qui ont à nouveau soulevé l'indignation des libéraux. On n'a pas besoin de lui, monsieur le Président. On sait comment construire avec le ministre du Logement. On va construire, puis qu'arrête de venir insulter les Québécois. Et qui ont mis la table à des débats houleux. Faites-vous pousser une colonne, puis présentez vos excuses. Ça va être long, ça va être long. Une première période de questions en 2024 qui lance les hostilités. Même le NPD, qui soutient le gouvernement, entend se faire plus agressif. On va peut-être voir le NPD, vous allez nous voir hausser le ton un petit peu plus, être un peu plus critique des libéraux. Les libéraux seront attaqués de toutes parts, eux qui sont déjà en retard d'une quinzaine de points dans les sondages sur les conservateurs. Ils tenteront de forcer Pierre Poilievre à prendre des positions et émettre des propositions. Reste à voir si ce sera suffisant pour renverser la tendance. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.